Ah bah attends, allez-y. Allez, venez, vous avez envie. Ouais, mais Elisa. Mais non, mais juste après. Allez, ah, mais tu vas où? Vous allez trouver. La galerie. Là-haut. Ah, là-haut, alors. C'est là où vous voulez la montrer? Parce qu'ici en bas, il n'y a rien d'intéressant. Ah si, si, si. Vous préférez là-haut? Voilà, on monte. C'est pas Pascal Champagne. Mais... on prend des filles. Là, il manque deux filles. Ça, c'est un peu la décadence. Excusez-moi, alors ça, c'est... Dostoïevski. Bravo! C'est... Qui a reconnu Dostoïevski? Moi, mais je sais, je suis géniale. Sans lunettes en plus, bravo! Ça, c'est Jimi Hendrix. Bravo! Non, mais en fait, j'ai déjà eu la présentation. Ah, d'accord. Tricheuse. Ça a l'air différent des autres personnes. Mais d'abord, c'est une famille. Ah, ouais? Non, mais c'est ça. C'est son Différent. Par exemple, le chef Baker, tu vois, de loin, on peut croire que c'est un fusain, alors que c'est du marqueur. Le marqueur nous agit un peu. Tu vois. Sur toi, la fumée c'est la toilette même. Je suis pas touché. Il a écrit un livre où un homme se transforme en gros insecte. Etc. Et le Christ doré, c'est la peinture dorée ça. Celle qui trouve celui-là par contre, bravo. C'est un peu fou quoi. Celle qui trouve ça, bouteille de champagne. Ah, alors je ouais, mais vous avez pas 700 000. C'est... Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est qui? Et une bouteille de champagne. C'est un meuble. Allez, bouteille de champagne. Ouais, c'est... Attends, juste le bouchon. Dali. Non. Miro. Non. Moi j'ai dit que c'était pas un parti. Il a l'air un peu fou. Ça m'écrit pas. Oui. Plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Ouais, disons, ouais, plus ou moins français. C'est-à-dire c'est vrai qu'il a une double nationalité. Il est en France. Ouais, pas une double nationalité. Il est en Europe. Non. Non. Il est en États-Unis. Non. Il est en Amérique du Sud. Tout à fait. Pablo Neruda. Non. C'est une moustache. Il écrit quoi comme genre d'œuvre? Tu peux même presque directement donner le titre du livre, à mon avis. C'est vrai? Enfin, je sais pas si facile que ça, hein. Même avec ça. J'aime ça. Les chants de Maldoro. Tu vois, c'est... Et ça, demain, sera vu dans toute la France. Hein. Non, c'est Isidore Dicas, le comte de l'Outre-Irlande. Jamais. Oh, ah non, mais... Ouais, pas du tout. C'est pour tout. D'accord. Bon. Donc, pas de champagne. Désolé pour ce malheur. Ah oui. La fin du monde a eu lieu d'être. Pas seulement son achèvement, sa finalité aussi. Il ne s'agit pas de ressasser le discours des imprécateurs, mais d'en tirer les conséquences. Après les apôtres des derniers temps, voici le temps des anges, des nouveaux temps. Ils n'attendront plus rien, c'est arrivé. Tout est arrivé, tout est consommé. Ils n'appelleront plus de leurs vœux les catastrophes punissant un monde trop hâté. Les anges des nouveaux temps sont nés de l'Apocalypse, engendrés, non créés par le Saint-Esprit malin. Colombes nées du serpent, ils enclencheront le nouveau millénaire. C'est fini le XXe siècle.